Bah Sam Tan, bonjour. Nous nous voyons aujourd'hui pour parler du récent accord trouvé sur le nucléaire iranien, mettant fin à plus de 10 ans de négociations. Alors, un accord conclu entre Téhéran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, comptant donc les États-Unis, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et l'Allemagne, prévoyant donc une levée progressive des sanctions économiques en échange d'une garantie que l'Iran ne se dotera pas de l'arme atomique. Avant d'entamer donc une analyse un peu plus en profondeur, on dira, est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs en quoi consiste exactement cet accord? Alors, en gros, c'est un accord qui fait 100 pages avec 5 annexes et qui s'étend sur, pour certaines choses, sur 15 ans, d'autres 10 ans, d'autres un peu moins. C'est très compliqué à mettre en place. Le plus important, c'est qu'il y a eu un accord de signé. Et ce qui a révolté beaucoup, l'Arabie Saoudite et Israël. Alors, permets-moi aujourd'hui de parler juste du Royaume saoudite et de l'Iran. On n'hésitera pas à se faire d'autres numéros s'il faut pour revenir sur des Voilà, cas. si tu veux. Donc, celui qui est très mécontent, c'est le roi du Royaume saoudite, ainsi que son ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, ils disent que c'est une erreur historique et que l'Iran, après cet accord, va encore plus intervenir dans les affaires intérieures de ses voisins. Parce que pour le Royaume saoudite, souvenez-vous dans les mails et les télégrammes de Wikileaks, tout ce scandale. Le serpent et la tête du serpent, c'est l'Iran, et il faut l'écraser. C'était un des responsables du royaume qui écrivait ça aux Américains. Donc, on ne peut pas ignorer ce fait. C'est que pour les Saoudiens, le grand ennemi, ce n'est pas Israël, c'est l'Iran. La preuve, c'est que comme ils pensent que ce sont les Iraniens qui sont derrière les Houthis du Yémen, qui sont chiites, donc c'est le Royaume saoudite a réussi à créer une coalition pour casser le Yémen, mais en fait c'est une sorte de guerre par procuration. Évidemment, le Yémen a été détruit, mais celui qu'on visait, c'est l'Iran, qui, selon, comme je vous ai dit, selon les Saoudiens, c'est l'Iran qui arme, qui intervient, qui essaye d'encercler le Royaume saoudite d'une part. D'ailleurs, il y a une déclaration d'un responsable iranien qui était, où il a poussé le bouchon très loin, comment dire, en disant que l'Iran était, enfin, avait dans sa poche 4 capitales arabes. Damas, Bagdad, Sanaa, au Yémen, et Beyrouth, c'est-à-dire Bachar el-Assad en Syrie, le Hezbollah au Yémen, les Houthis, le Hezbollah, excusez-moi, au Au Liban, Liban. les Houthis au Yémen, et puis évidemment tous les chiites en Irak. Donc ça, c'est un point très important. Mais pourquoi alors, tout en sachant ces données, Obama cherchait absolument à signer cet accord? Il y a diverses raisons. Moi, je retiendrai une, comme d'habitude, qui n'a pas été soulevée dans la presse et les médias. Elle est quoi? Vous savez, à la mort du roi saoudien, on a eu un nouveau roi qui est le roi Salman, qui a limogé les princes héritiers, qui a nommé d'autres, et qui, dès les premiers mois de son règne, a adopté une politique rigoriste au niveau religieux. Le roi défunt cherchait au contraire, il avait réuni les cheikhs du wahhabisme, de cette secte musulmane, c'est une secte, le wahhabisme, est assez dangereuse, je le développerai une fois.
Il les avait réunis en leur disant « il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester avec ce dogmatisme ». À sa mort, changement de cap, c'est un retour à un wahhabisme pur et dur. Et qui s'est traduit dans les faits par une guerre. C'est la première fois que le royaume saoudite entre en guerre contre un pays voisin en créant une coalition arabe, pan-arabe, et en s'attaquant, en détruisant l'infrastructure du Yémen. Hein. Alors qu'on sait, le Yémen est un pays qui a été mutilé par ce royaume saoudite, puisque les provinces sud du royaume saoudite appartenaient au Yémen. Bon, ça, on l'a dit, on l'a développé dans d'autres causeries. Donc, les Américains, surtout Obama, étaient conscients qu'il ne fallait pas que ce nouveau roi, avec son nouveau rigorisme, transforme le royaume saoudite en pays belligérant, belliqueux et encore plus puissant. Surtout, parce que quand on réfléchit, bah, le terrorisme dans le monde ne vient pas de l'Iran, je suis désolé. L'Iran, pendant 2 siècles, ne s'est jamais attaqué à un voisin. Par contre, quand on voit les grands courants du terrorisme aujourd'hui, en premier lieu, historiquement, c'est le wahhabisme qui est né au XVIIIe siècle. Alors, je renvoie ceux qui m'écoutent à n'importe quel article sur l'évolution du wahhabisme. En gros, au XVIIIe siècle, il s'attaque au mausolée chiite en Irak, il pille la Mecque et Médine, et commence une expansion vers le nord. Se révolte contre le califat ottoman. Là, le calife ottoman charge Mohammed Ali, qui était le roi d'Égypte, pour lutter contre eux. Mohammed Ali envoie son fils Ibrahim Pacha, à la tête d'une grande armée, il bat les wahhabites et il marche même vers Constantinople, comme on dit. Là, les Anglais et les Français interviennent pour stopper. C'était les premiers faits de guerre entre l'expansionnisme des wahhabites comme secte religieuse et les pays voisins. Donc, aujourd'hui, quand on voit les terroristes dans les grands attentats du monde, la majorité de ceux qui ont perpétré ces attentats viennent d'Arabie. Ou alors, même quand c'est, bon, que ce soit le 11 septembre, que ce soit en Afrique, c'est des gens qui ont fait leurs études au Royaume saoudite, qui sont diplômés de wahhabisme, si je puis dire. Alors, vous voyez la dangerosité de nos liens, de nos rapports, nous autres Français, avec un royaume ultra riche, et cet aspect paradoxal. On a besoin d'eux pour leur argent, enfin, entre guillemets, mais en même temps, on essaye de fermer les yeux sur toute la propagande terroriste qu'ils répandent dans le monde. Alors, il y a un autre point, un autre courant, ce sont les frères musulmans, qui sont nés, eux, au XXe siècle. Mais, à un moment donné, les wahhabites ont aidé les frères musulmans. Suite à cela, vous savez, il y a eu le troisième courant, qui est Ben Laden et Al-Qaïda. C'est aussi né d'une synthèse, si je puis dire, entre Zawahiri, l'Égyptien, et les frères musulmans, avec Ben Laden, qui est saoudien. Et puis, pour que ce soit couronné après par le quatrième courant terroriste, qui sévit actuellement en Irak, en Syrie, en Amérique et partout, qui est Daesh ou l'État islamique. Voyez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces émanations des différents courants terroristes sont issues du wahhabisme et des frères musulmans. Et des frères musulmans. Donc, il est dans l'intérêt des grandes puissances, et à commencer par les États-Unis, d'aider un rival dans la région à tout point de vue, qui est l'Iran.
signer un accord avec l'Iran, c'est neutraliser à long terme le Royaume saoudite. Si je vous comprends, ils veulent s'offrir une carte supplémentaire pour pouvoir, si je comprends bien, faire un billard à trois bandes entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Sûrement, parce que, vous voyez, avant la révolution de Khomeini, qui a eu comme effet un tremblement de terre dans la région géopolitique, parce que l'Iran du Shah était pro-américain, pro-israélien, et le monde arabe se trouvait tenu par l'OTAN avec la Turquie, d'une part, l'Iran du Shah et Israël. Donc cette région riche en pétrole était coincée entre trois forces dans la région qui suivaient les États-Unis. Donc après la chute du Shah, ça a déséquilibré tout. Il fallait redistribuer les cartes. Et c'est là où, à mon sens, la guerre d'Irak menée par Bush a été une erreur. Parce qu'elle a détruit Saddam Hussein, qui était un ennemi potentiel, virtuel, rival de l'Iran. En attendant, l'Iran a pu développer son industrie. Et là, franchement, on peut pas comparer le monde arabo-musulman à l'Iran. L'Iran, malgré les sanctions pendant trois décennies, à le nucléaire, à une industrie balistique, à une industrie lourde. Enfin, c'est quand même... Il semble que les embargos ont été maintenus et prolongés sur les... Oui, mais vous savez, sur l'armement. Sur l'armement, lourde. Oui, mais l'Iran fabrique déjà. L'Iran a abattu un avion sans pilote et maintenant, l'Iran fabrique des avions sans pilote. Ils ont une technologie très avancée, les Iraniens. Ils mettent un point d'honneur à avoir le nucléaire civil face justement à ce monde arabo-musulman sous-développé. C'est-à-dire, ces guerres qu'on vit aujourd'hui, le monde a détruit les États-nations arabes qui étaient capables, n'est-ce pas, de modernité, de technologie. On a beau critiquer la dictature de Saddam Hussein, mais Saddam Hussein avait une industrie. Il avait développé son pays. Une industrie militaire, civile, des chercheurs. D'ailleurs, on se souvient comment les Israéliens ont éliminé, liquidé physiquement les chercheurs nucléaires irakiens. Et il en est de même en Syrie. Et voyez le paradoxe, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Liban, ce sont des pays qui ont connu une constitution, un parlement, une renaissance bien avant l'obscurantisme wahhabite. La renaissance arabe est partie des pays que j'ai cités, de l'immigration des ce qu'on appelle les Levantins en Égypte, après la petite renaissance de Mohamed Ali, qui a pris son indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman, vous voyez. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui. C'est-à-dire les pays capables d'évolution, de laïcité, de technologie, sont détruits, ou en train d'être détruits. La Syrie est détruite, l'Irak également, le Liban n'a toujours pas de président, une crise perpétuelle, l'Égypte, le président Sisi est obligé maintenant de se battre contre l'État islamique en Égypte et contre les frères musulmans, donc ça bloque tout progrès. Et les pays du Golfe qui sont riches, pour le moment, ne se sont pas illustrés par un progrès technologique ou civilisationnel, à part les gratte-ciels construit chez eux, c'est vrai, il n'y a pas de projet arabe dans ces pays du Golfe, c'est-à-dire le Koweït, les Émirats, le Koweït encore, il y a eu des choses dans les années 70, le Royaume Saoudite, les Émirats, le Qatar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils achètent des armes
pour aller détruire le Yémen ou intervenir en Libye. Et vous voyez ce qui est arrivé en Libye. C'est un pays entièrement déchiré par des islamistes. Et il en est de même un peu partout dans le monde arabe. Donc, revenons à la signature. Quand les États-Unis ont dit oui à l'Iran, c'est pas si innocent que ça. C'est un coup calculé que, face à cet intégrisme religieux, cette minorité chiite dans le monde, dont le cœur est l'Iran, n'est pas si négative que ça. Et l'Iran reste... Et puis, je vous cache pas, quand on compare, souvent on discute avec les Américains ou les Européens, on sent qu'il y a une sorte d'affinité avec les Iraniens. Moins qu'avec les Arabes. Moins qu'avec les Arabes. Et ils vous donnent comme argument, ben regardez, moi les Iraniens travaillent. C'est-à-dire, on a beau les critiquer, ne pas les aimer, hein, ben on se dit, c'est quand même des gens qui produisent. Ils ont le nucléaire malgré les sanctions. De l'autre côté, le monde arabe, durant tout ce temps-là, il n'y avait pas de sanctions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exporté le terrorisme. C'est tout. Hein, et ils continuent de le faire. Vous pensez que les États-Unis ont tiré un bilan de tout ça? Ah, je crois, hein, parce que, vous savez, on parle toujours de la CIA, que la CIA, le Pentagone, c'est pas très intelligent, c'est pas très subtil. Je ne le pense pas. Peut-être qu'il y a eu l'erreur de la guerre d'Irak, mais maintenant, ils savent ce qu'ils font. Et je reviens à ce que j'ai dit déjà, les États-Unis maintiennent ce jeu de balancier. Quand ils voient que le Royaume saoudite devient trop fort, ils fortifient l'Iran. Quand l'Iran devient très fort, ils fortifient, consolident Israël ou ces pays du Golfe. Hein. Maintenant, évidemment, les Américains aussi, outre cet aspect dogmatique de terrorisme, pensent également que ce n'est plus dans leur intérêt d'aider tellement les pays du Golfe. Pour parler simplement, les États-Unis ont lâché l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Pour une raison très simple, le pétrole fossile n'a plus l'importance dont il jouissait dans les années 60, 50, 70 ou le début du siècle dernier. Parce qu'avec le gaz de schiste, vous voyez, tout ça, ça relativise l'importance mondiale de cette région. Alors, ce qui intéresse aujourd'hui les Américains, c'est beaucoup plus l'évolution du monde asiatique, vu le développement extraordinaire de la Chine, qui reste d'ailleurs très prudente, hein, et puis cette formation d'un axe, enfin il y a Shanghai, il y a les Russes. Oui, de toute façon c'est connu que l'Eurasie est vraiment devenu le point de mire, quoi. C'est l'objectif, quoi, pour les États-Unis. Justement, c'est pour cela que je crois Obama tenait à signer cet accord. Hein. D'ailleurs, permettez-moi au passage de dire, il était beaucoup plus facile pour Obama de réduire à néant l'État islamique, militairement parlant, parce que on dit oui, mais il y a les civils. L'État islamique, en s'avançant vers Palmyre, il n'y avait pas le moindre petit village, c'est un désert. Ils auraient pu les bombarder, ils l'ont pas fait. Pourquoi? Alors, c'était beaucoup plus facile pour Obama, donc, de détruire tout cet État islamique et de prêter main forte aux Irakiens que de signer l'accord avec l'Iran. Et pourtant, il a préféré signer l'accord avec l'Iran. C'est une nouvelle ère géopolitique qui naît. Alors, évidemment, cette guerre du Yémen aussi, c'est un cadeau empoisonné. Parce que les Saoudiens et la coalition panarabe a eu le feu vert des États-Unis, mais finalement, c'est une guerre d'usure. Ces gens-là qui ont perdu leur maison, qui ont été bombardés massivement du nord au sud du Yémen,
ils vont se révolter. C'est une plaie qu'on a réouverte, vu qu'il y a des Yéménites qui revendiquent des parties qui se trouvent maintenant en Arabie Saoudite. Vous ajoutez à cela que ça nourrit le sentiment aussi, au niveau purement islamo-musulman, c'est que si les Saoudiens, avec le wahhabisme, c'est une secte, a-t-on le droit, au niveau du dogme, de laisser les lieux saints entre les mains d'une secte, quand bien même cette secte serait riche en pétrole? Et là, ici et là, dans le monde musulman, d'Asie aux États-Unis, en Afrique, en Europe, on entend dire, mais après tout, pourquoi la famille Saoud, qui n'était rien du tout au XVIIIe siècle, hein, une petite tribu, alors maintenant on les appelle Altesse, Royale, Prince, tout ça, c'était un petit vieux du village, hein, avec un autre qui était fanatiques et qui ont créé cette tendance et qui ont eu le soutien d'abord des Britanniques puis des Américains, hein, l'accord de Quincy qui permettait contre la sécurité de la famille Saoud d'avoir tout le pétrole pour les Américains. Et vous savez, ça a été même renouvelé avec 2005. Oui, par Bush fils. Donc, il y a plusieurs choses dont on ne parle pas, parce que, évidemment, vous ne pouvez pas à la télé, enfin, vous ne pouvez pas, c'est contre la doxa, de dire, écoutez, de mettre en cause le fait que la Mecque devrait être libérée d'une secte musulmane. On va vous dire, mais de quoi vous vous mêlez, de quoi on se mêle, c'est un problème interne. Oui, mais ça travaille les gens. Hein. Et alors, pour vous donner une idée que... Surtout qu'on en fait de l'ingérence, on s'occupe des affaires de pas mal de pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Bien sûr, on s'occupe même, vous voyez, regardez ce qui se passe en Algérie. C'est toujours la même histoire. C'est que les États-Unis sont conscients du jeu pervers des Saoudiens. Mais ils ne le condamnent pas ouvertement. Ils l'utilisent parfois pour déstabiliser. Les événements du Mzab, c'est Kharijit Ibadit, un autre rite de l'islam, qui est le rite le plus démocrate, hein, historiquement. Ces événements au Mzab qui ont causé tant de morts, hein, une ville pacifique où les gens vivaient ensemble, on découvre à la fin que c'est un Algérien qui a été faire ses études au Royaume Saoudite qui revient et qui allume la mèche de cette guerre interconfessionnelle. C'est aussi un moyen de déstabiliser l'Algérie. Pourquoi déstabiliser l'Algérie? Ben, l'Algérie a près de 200 milliards et quelques de réserves. Toujours dans ce plan de détruire l'islam de l'intérieur dont j'ai parlé dans d'autres causeries, vous ajoutez le dossier algérien. Et ça va faire tache d'huile. Demain, on inventera quelque chose au Maroc. Oui. Alors, face à l'absence d'un projet unificateur dans le monde arabo-musulman, je dis arabo, hein, il y a un Iran cohérent qui a su créer des alliances. On peut plus vous renverser Assad. Vous ne renversez pas Assad, vous n'allez pas massacrer 2 millions d'Alaouites en Syrie. Vous n'allez pas massacrer 1,5 million de chiites de Hezbollah. Vous n'allez pas supprimer du Yémen près de 45% de la population qui est chiite, hein, au nord et au sud. Qui est... C'est ça. C'est-à-dire, les Américains sont conscients que cette adversité, cette inimitié, ce malentendu entre chiites et sunnites peut jouer pour affaiblir cette région. Et il faut diviser pour régner. Donc, ils n'ont pas fait l'accord avec l'Iran pour les beaux yeux des Iraniens indo-européens, pas du tout. Hein. Ils l'ont fait pour équilibrer. Hein. Alors, ça, évidemment, ça déplaît aux Saoudiens. Et c'est aussi un piège pour les Saoudiens, parce qu'ils poussent de plus en plus les Saoudiens à prendre des initiatives un peu
à la va-vite, parce que le nouveau prince héritier, c'est lui qui dirige tout, c'est un jeune, c'est lui qui s'est lancé dans cette guerre. Alors, dans leur projet, c'est détourner la coalition arabe contre le Yémen pour renverser le gouvernement en Syrie et Bachar al-Assad. Et ça, ils le disent dans leurs médias, la chaîne Al-Arabiya, le radio, que oui, c'est ça leur projet arabe. Alors, le projet arabe, c'est quoi? C'est de détruire les pays laïcs et les États-nations qui ont vraiment connu une véritable renaissance en faveur de quoi? D'un dogme terroriste non. Je crois que là, la signature de cet accord, c'est une bonne leçon pour les pays arabes du Golfe. Kissinger avait dit dans ses mémoires, je crois, où il avait fait une déclaration très intéressante et très pertinente à propos des relations américaines avec les amis et les ennemis. Il disait « Il faut que les amis des États-Unis craignent les États-Unis plus que les ennemis. » C'est-à-dire, en d'autres termes, que les États-Unis peuvent lâcher des amis. Alors, pour revenir justement au Yémen, je tiens à rappeler que la population du Royaume saoudite compte à peu près 7 millions, les vrais Saoudiens. Il y a à peu près 23 millions qui sont à leur service. C'est des étrangers. Vous prenez le Yémen, c'est un pays quand même de 25 millions. Tous yéménites. Et ce pauvre Yémen, au lieu d'être aidé par ces pays, par le Conseil de coopération du Golfe, il en a toujours été exclu. Et ils viennent maintenant critiquer l'Iran parce que l'Iran aide les minorités persécutées au Yémen, c'est-à-dire les chiites. Et je crois que c'est vraiment injuste. Et il faudrait que le monde sunnite, les savants sunnites, qui ne sont pas payés par le Royaume saoudite, qui ont une indépendance de pensée, puissent s'affirmer et dire que les quatre tendances que j'ai citées, c'est-à-dire frères musulmans, wahhabisme, Daesh et Al-Qaïda, ne représentent pas l'islam tolérant du sunnisme. La sunna est beaucoup plus riche et ne peut pas être réduite à ces quatre tendances destructrices d'elles-mêmes et du monde. C'est pour cela que moi je bénis cet accord avec l'Iran et j'invite ces pays-là justement à tirer une leçon. L'Iran a donné une bonne leçon, non seulement aux chancelleries occidentales, mais également au monde arabe qui a fait faillite au niveau de l'idéologie politique ou de projets de développement, de croissance, de progrès. Mais merci toujours pour ces points de vue dissonants, Bassam Tan. Merci à Info Libre et à une autre causerie d'Ivry.